Je suis gérant d'artiste, manager, consultant. Une bonne connaissance de l'environnement professionnel global d'un artiste, dans toutes ses composantes, spectacle, disque, édition, management, produits et droits dérivés, etc. Vraiment, savoir gérer en tout ou partie l'environnement économique global d'un artiste, quoi, à n'importe quel niveau de développement que ce soit. Pas mal de diplomatie et de pédagogie. La diplomatie vient en renfort de la pédagogie. C'est vrai qu'on est sur des tâches inhérentes au métier de l'artiste, mais qu'il ne comprend peut-être pas forcément techniquement dans ses détails, notamment quand on arrive dans le contractuel lourd et des choses comme ça. Ouais. Donc arriver à expliquer quelque chose qu'on a mis 20 ans à comprendre en un quart d'heure à quelqu'un, c'est pas non plus très très simple. Ouais. 95% du boulot, ça reste du juridique, du fiscal, du contractuel, de la gestion de société, etc. Comme tous les gamins qui ont eu une guitare à 14 ans et qui ont fait du métal à 15 et les années lycées, quoi. Je suis pas musicien, même si j'avais la prétention de le dire quand j'avais 16 ans, je l'ai jamais été. Par contre, je savais trouver des concerts, je savais organiser des concerts, j'avais autour de moi des magnétophones qui permettaient d'enregistrer, j'avais des parcs micro, j'avais des choses comme ça. Et je me suis amusé. Non, je me suis retrouvé malgré moi à développer tous les groupes de la région, quoi. De la région, au moins du département, et en très local d'abord, et en plus global ensuite. Et puis petit à petit, la liste d'artistes s'allongeant et le niveau artistique et commercial, faut le dire, de ces artistes évoluant, bah, les noms deviennent plus intéressants, les parcours deviennent plus intéressants, les partenaires deviennent plus intéressants. On évolue dans son taf, quoi. J'ai trois passions, la BD, la mécanique et le rock'n'roll. La BD, j'en ai pas fait un métier, la mécanique, ça aurait pu, mais c'est resté un hobby. Et bah, le rock'n'roll, malgré moi, c'est devenu un métier. Moi, j'ai jamais rien fait d'autre. C'est pas un choix. Enfin, on est dans des métiers qu'on ne choisit pas, on est dans des métiers qui nous ont choisis. On peut les choisir, bien entendu. Et arriver un petit peu plus tard dans le métier, mais depuis que j'ai 15 ans, je fais que ça. C'est pas un choix, donc je sais même pas ce qui me plaît, c'est juste que je sais rien faire d'autre. On est quand même dans des métiers compliqués, enfin le management, c'est quand même pas le parent pauvre, mais c'est quand même le maillon le plus ingrat de la chaîne musicale quand même. C'est être le nœud dans un environnement professionnel pour le compte d'un artiste qui est mon client, d'abord. Nous avons la particularité dans la chaîne d'être les seuls rémunérés par l'artiste. C'est une position un peu particulière. Après, ce qui nous plaît, bah, c'est de quand ça fonctionne, arriver à présenter au mieux un artiste à un public qui n'était pas censé le connaître à la base. Et si tous sortent ravis d'une salle de spectacle, l'artiste avec le sourire au cul de la salle et le public avec le sourire par la grande porte, ça, c'est fait.